carte, l'hôtel invoque un démon. En 14. Parfait. Il joue en 14. On va voir en plus. Hein, si nous fait faire le demi-tour. Ok, non, a priori, si il fait bien un cercle. C'est pas haut. Par contre, ouais, l'attaque directe, ouais, j'aurais pas pu le soigner, je suis désolé. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, je vais essayer de finir ça. Avec un peu de bol, ça passe. Oh non, Karsou, t'es trop sale en disant ça. Qu'est-ce qu'il fait encore? Et bonjour du coup à la VOD, hein, on l'a pas dit, mais... ah, bonjour la VOD, mais je t'invite à venir lire sur mon chat, je le dirai pas à voix haute. Du coup, non. Du coup, non. Je me respecte, je ne le ferai pas. Allez, cours, cours. Accroche-toi à la vie. Ah oui, toi tu t'es dit je prends un truc pour courir, mais tu prends aucune carte pour courir du coup. Pas mal. Si, si. Hop. Je suis un peu déçu par cette course pour la vie, faut avouer. Hein. Pas besoin de bon, plus. Après, c'est moi qui vais prendre l'agro de toute façon, mais il fait quoi lui? Pourquoi il s'excite là? Bouclier 2, ah, d'accord, ok. Bon bah, bricoleur, hein, si tu veux taper, tape. Oh putain, il a invoqué un truc juste à côté de toi, j'avais pas vu. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi ça a changé la vue, pardon? Tu peux récupérer une de tes cartes. Ah oui, détruite. Mais je me disais pourquoi ça avait changé la vue, mais oui, d'accord, c'est parce que t'as fait ça. Le mieux, mais bon. Bah, ouais, si, c'est pas mal, ça va me permettre d'avoir un peu plus. Je regarde, mais au final, je peux pas l'empoisonner. Le fumigène, invisibilité, double la valeur de votre prochaine attaque et rapporte 2. Donc en gros, si t'arrives à cumuler ton invisibilité, et après, avec ton coup spécial derrière, tu peux peut-être faire une attaque à 18 ou 20. Ouais, ça se tente. Bah ouais, vas-y, hein. Bon, il y a un x2 au moins. C'est ça. Après, il faudra juste que je m'écarte du démon. Il va faire quoi, lui? Il va te repousser de toute façon, donc ça tombe bien. Ouais, mais une petite attaque. Ouais, attaque 2-3, c'est bon, je peux l'encaisser. C'est pas trop gênant non plus. C'est à moi. Alors, du coup, je pensais activer ça. Je pensais activer le truc, mais il va avoir un allié adjacent de toute façon. Ouais, non, il aura le. Je pensais activer le truc qui fait des dégâts supplémentaires, mais. Du coup, ce que je vais faire. Si tu termines ici, ça peut être pas mal. Ouais, et en plus, je vais profiter pendant que t'es adjacent pour lui mettre une tatane. C'est ça. Ça mange pas de pain. Alors, la scoudrelle, normalement, c'est ce qu'il y a de mieux sur du mono-cible, donc il faut vraiment qu'on arrive à la. Le Sim joue un cultiste de Cthulhu, exactement. Ah, je peux peut-être faire encore un tour si je survis. Je vais un repos court. On va cramer. Bah non, on n'a pas la seule carte utile, tu me demandes de cramer. Allez. Voilà, ça c'est bien ça. Crame ça. Par contre, 59, ça me paraît tard pour jouer du coup, mais bon. Et on va partir blessure. Sur du rapide. Il est immunisé aux blessures, immunisé contre tous les états, ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Attaque contre la cible adjacente. Aucun de ses alliés. Je pourrais faire plus mal, mais il faudrait qu'il s'éloigne. On va s'écarter pour éviter de se prendre une tatane, vu que l'autre est immobilisé, et on va lui mettre une petite bombe à encre dans les dents. C'est ça qui me fait le plus de dégâts chez elle, donc on va essayer de jouer là-dessus. Et ça va être pas mal. Hein. Est-ce qu'il est immunisé à être attiré? Contre poussé, contre traction, ouais, ok. Je me prépare à lancer un rip. Oui, Bubok, prépare-toi. Mais normalement, avec la scoudrelle, quoi, avec la crapule... Faut que j'en y a moyen de faire du très gros DPS. En fait, j'hésitais à me mettre invisible tout de suite, mais le problème c'est que. Ça paraît une bonne idée. Ouais, mais le problème c'est que mon attaque qui fait beaucoup de dégâts, il faut que. Elle soit adjacente à aucun de ses alliés, donc il faut que l'autre saloperie bouge.
C'est, même si tu fais que qu'une 5 parce qu'elle est adjacente à moi et qu'elle est comme à. Tu vois ce que je veux Ouais, mais dire? toi, tu vas te barrer. Je vais me mettre là. Ah. Juste, je me mets pas au contact du démon de givre d'élite, c'est tout. Ok, dans ce cas-là, fumigène, est-ce que j'ai un truc utile en deuxième main? Pas vraiment. Y a rien à piller de toute façon. Ouais, bon, on va pas cramer ça. Ça, c'est 4 de dégâts quand même. Ouais, de toute façon, les deux autres font 5, donc on va cramer la 4. Hein. Allez. Ah non, il le téléporte. Ah, t'auras le temps. On Ouais, va aura le... falloir voir comment ça. Ouais. Ouais. Va falloir voir comment ça joue. Il va le téléporter loin, je pense. Donc ce que je peux faire, c'est m'invisibiliser, puis tracer vers là où il va probablement le mettre. Ça me paraît une bonne idée. Ouais. Et moi, je vais aussi essayer de suivre ce pattern-là. Ça va être assez aléatoire par contre, hein, mais bon, allons-y. Si jamais il se dit, allez hop, je fais le tour dans l'autre sens, on va dans le fion. Du coup, j'ai perdu Alors. Lio 7 et elle est sur ton live maintenant? Il est sur ton live? Elle, je ne sais pas, Lio, désolé. Tu peux me soigner, hein, ça, si tu me restes, il me manque un PV, ça peut toujours être ça de pris. Hop là, on va lui faire les dégâts. 4 points de vie de moins. Ça tombera à 25, à peu près 4 points de vie de moins. On confirme. Tu pouvais pas cibler les 3 deux pour points. avoir un peu J'ai pas d'XP. de. Je pense pas avoir de ligne de vue sur le deuxième. Ah, Liu est là. Vas-y, téléporte-le. Allez, fais pas la pute. Oui. Par contre, va Ça, falloir que je c'est meure. bon. Oh, ça, c'est Non, pas non, non, bon. non, non! Oh non. Pourquoi toi? Non! Non! Parce que je jouais plus vite, peut-être? Putain, j'avais Ouais. un déplacement avec une attaque à 4. Oh, cette violence. Va falloir qu'on joue serré là. Hein. Ouais, ça va être tendu parce que du coup, vu qu'il a réinvoqué une saloperie à côté, j'aurai pas mon gros bonus. Ouais, Enfin, en plus qu'on rejoue avant toi, quoi. ouais. Et moi, mon seul. Ma ce que je peux faire, c'est jouer en 6 ou jouer en 64. Je crois que tu vas jouer en 64. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais éventuellement moyen de repousser le démon de flamme tout en restant en contact? T'as rien pour repousser, toi. Voilà. Non, je demandais au cas où, hein, mais ça m'étonnerait. Mais... Putain. on va prendre ça de façon, et puis on verra. Je zio de votre descente aux enfers. Ouais, je pense que là on peut parler, on peut s'exprimer ainsi, ouais. Putain, mais le démon de flamme d'élite, quoi. Non, mais sérieusement. Déplacement 4, attaque 5. Oh putain. Cette violence. Bah, de toute façon, ils vont être tous au contact du truc, donc il n'y a aucun moyen que. Alors, on y va tranquille. Pour l'instant, c'est moi qui ai fait le plus de DPS, quasiment. Ouais. Quasiment. Mais pourquoi il t'a fait une riposte à distance là? Il y a une riposte de 2? Ce con? Portée Riposte de 2, ouais. 3, riposte portée 2. Oh En inné, c'est bon ça. ah putain. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont tellement loin qu'ils prennent même plus la peine de bouger. Oh, ça va faire tellement mal.
Bon, je veux pas te mettre la pression, mais si tu le tues pas maintenant, c'est mort. Maintenant, je tire un fois zéro à cause de toi. T'es pas censé l'avoir doublé, ça? Bah, c'était doublé, c'était un 5, mais... Ah oui. Ah ouais, non, je sais, c'est nul. Non, J'en ai conscience. je voulais être sûr, hein. J'étais pas sûr que t'aies réellement visualisé ça. Putain. Ah ouais, non, mais c'est à chier, hein, je suis d'accord. Allez, repos court. Non, c'est Je fais nul. le repos court pour récupérer la carte. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le carreau toxique qui me permet de jouer vite, faire une attaque de 5. Et qu'est-ce que j'ai en plus gros en attaque en haut? Adjacent à aucun de 2. leurs alliés. Bon, c'est mort. Il sera jamais proche. Donc non, faut que j'oublie ça. L'empoisonnement, Là, il sert à potentiellement, je fais rien. un petit tour à 7 de dégâts sur l'hôtel. Moi, je peux caler un 5. Mais je peux pas faire plus, je pense pas. Sachant qu'il peut jouer en 17 et le re-téléporter. S'il fait ça, j'annonce, c'est fini. C'est fini. À mon avis, c'est fini de toute façon. Hein. Allez, tire les bonnes cartes. Sois pas défaitiste, là, merde, hein. On est là, on gagne. Ouh, ça peut Téléporte passer! l'hôtel. Sur un x2. Ouais. Il y a de l'idée, Qu'est-ce qu'ils ont eu? Déplacement 2, attaque 3, déplacement 3, attaque 5. mets-toi par là, peut-être, non? Putain. Comme ça, si lui se rapproche, t'auras peut-être une chance de pouvoir passer dans la salle d'à côté. Oh, je suis désavantagé, t'es sérieux, c'est... C'est vrai que c'est un peu abusé, ouais. Et 3 points de dégâts, franchement. Voilà, tu le fais. On va prendre Bagdad. Tous les adversaires adjacents subissent 2 points de dégâts, c'est pas mal. Il va nous aider un peu en plus. Ah mais non, c'est les adversaires, je pensais que c'était les alliés adjacents. Ah bien sûr. Oh J'ai la plus de carte blessure. de mouvement, mais avec un peu de cul sur un repos court. Oh! Alors celui-là, c'est peut-être celui que je vais annuler, mais qu'est-ce que je peux cramer en même temps? De toute façon, déplacement 2, je vais prendre le truc qui me permet de plus de me déplacer le plus possible. Hein. On est kiff-kiff sur les dégâts, on est kiff-kiff sur les dégâts? Non, on est absolument pas kiff-kiff sur les dégâts. 3 de dégâts, 2 de dégâts, mais 2 de déplacement. Non, faut que je prenne le truc qui me permettra de me déplacer plus. Hein. On va cramer ça. Sans mon avis, je vais en cramer quelques autres. Ah non, ils sont deux à avoir bloqué la porte, putain. Là, sans un jump, c'est mort. J'en ai pas. En plus, on a blessure, quoi. Donc toi t'es mort déjà? Non, ok, t'es pas mort. Il a invoqué un démon de J'ai lumière, un sérieux. Oh là là! Pff, ouais, faut que j'encaisse, j'ai pas le choix. Mais de toute façon je peux pas passer quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de distance. Putain, cette violence! Gros caillou, reviens! Sors de ta retraite, gros caillou! Ah bah tiens, j'avais oublié que ma caisse était devenue épuisée 12 fois. Bah... Ça va être bien. la vache. Bon, un repos court, pas le choix, puis on va espérer que je vais pas jeter le mauvais truc. Effectuer un repos court. Ah et bah voilà, c'est raté. Oh mais même avec le déplacement, tu vas pas, t'as pas de boots pour Non, non, voler il ni a quoi que rien ce de toute soit. façon, c'est mort, hein. Mais on est d'accord, c'est mort.
Oh putain. Il aurait pas été devant, j'aurais pu faire 5 et 2 de déplacement et 2 d'attaque, et avec un peu de cul ça passait. Mais là c'est mort. À moins que. Bah non, de toute façon j'attaque, je déplace de 2, il a 5 de dégâts, faut vraiment un coup de cul énorme, puis de toute façon après je pourrais pas attaquer donc. C'est la fin. C'est la fin, mon Dieu, c'est la fin! Y a même pas un PO à prendre. Même pas un PO à prendre, putain. Bon. Si je peux faire ça. Oh, je peux faire ça. Epicness. Oh non. Le fois zéro, putain. Je me disais, j'ai pile poil 2 de dégâts, je le bute et je prends Oh. la thune. Et Oh même mon pas, j'ai Dieu. même pas pu quoi. Là. La vache, c'est Le abusé, jeu c'est café. abusé quoi. Ça va bien se passer. Et voilà. Le pique-nez Bubok avait préparé le rip. Et c'est le RIP. Ah non mais franchement je le tuais, il y avait pas la riposte quoi. Bordel. C'est quoi le lien de la... Attends, je vais te mettre le lien de la chaîne du cygne. Bon, je vais tout de suite Hop. aller équiper mon objet avant d'oublier, voilà. Hop. Copier. Ah Coller. si, effectivement, je l'ai le pendentif, mais en fait c'est un casque, du coup, comme j'avais deux casques. Comme j'avais déjà Pas un casque, possible. ça l'a pas équipé. Putain, je suis pas loin du passage niveau 4 avec Ah oui, t'es avec pas mon loin, ouais. moustique là. Alors ça fait Putain. quoi? Pendant votre tour, rafraîchissez deux de vos objets consommés, vous subissez l'état de malédiction. Hein? C'est pas mal. Ouais. Mais mon casque en fer est bien quand même. J'ai pas assez d'objets pour que ça soit utile. Bon, bah, je te propose qu'on réfléchisse un peu à nos choix et à nos vies. Et la semaine Ouais. prochaine, on le rentre. Je pense que ça peut rentrer, hein. Il n'y a pas de. Maintenant, on sait comment il se déplace. Et voilà. Merci pour le follow, Cars. Ah, t'es mauvais le signe. Première fois sur le chat. Bravo, Bam, bravo. ban direct. Ban. Vas-y, tu lui mets un timeout du genre direct. Faut lui montrer qui c'est le patron, sinon tu vas te laisser envahir. C'est horrible après. Après, il va dire que voilà, c'est des maths, c'est nul, tout ça. Ah putain, bon en tout cas moi je vais arrêter le live là, j'espère que ça vous a plu, je vous dirai à tous à bientôt pour la suite des aventures. Il y a Bigadin qui fait on va faire un petit raid chez Bigadin pour la finale de Blood Bowl. Moi, je m'achète Pourquoi des pas? jumelles œil de faucon pour la vengeance de fin de live. Et on va s'arrêter là aussi. Je pense qu'on va faire un petit raid aussi chez Bigadin. Va se rejoindre là-bas, ça va être cool. Allez, j'arrête la VOD. Ciao, ciao la VOD. J'espère que cette fin de mission vous a plu. Car ce qui nous donne un cookie pour se nous remonter le moral, c'est trop gentil. Merci.